ça a un coup de gueule, t'as vu? Mais c'est un bon coup de gueule. Rien à voir avec toute la tristesse que je peux véhiculer dans chacune des musiques. Non. Là, je pourrais même dire que c'est un coup de gueule qui me donne le sourire, ouais. Ceci est une lettre où les voyelles et les consonnes font l'amour. Ils forment des mots, des pères, voire des familles ou des couples qui durent et dureront pour toujours. Ils sont inséparables, se trahissent pas. Ils rêvent du mariage, s'en foutent d'avoir la bague au doigt. Leur rêve, c'est de s'unir devant Dieu, devant les yeux de leurs proches. Ils sont riches, ils comptent pas ce qu'ils ont dans les poches. Ils se jugent jamais, rient ensemble, se voient sans cesse et jouent comme des enfants. Sans compter l'amour qu'ils se donnent, on dirait que c'est l'histoire d'un prince qui a rêvé de sa princesse. Quand ils sont loin, ils ont comme un pincement, l'envie de retrouver les bras de sa dulcinée chère, et ça, c'est pas du ciné. Ils se lèvent avec le sourire, elle se lève chaque jour encore plus heureuse de vivre. Il a des rêves, et elle en fait partie. Elle rêvait juste qu'il aime et il n'est jamais parti. Toujours présent, de plus en plus proche, l'un sans l'autre. C'est pas imaginable, on dirait qu'il réalise un rêve de gosse. Il rêvait de l'amour, il rêvait de l'avoir. En fait, ils avaient ça sous les yeux, mais sans vraiment le savoir. Comme quoi ne pas chercher plus loin que le bout de son nez, parfois ça peut servir. Et si cette personne m'écoute, j'aimerais juste lui dire merci. Sans besoin de citer son nom, je pense qu'elle va se reconnaître. Elle a débarqué dans ma vie et m'a fait l'effet d'une comète ou d'une gommette. Elle a détruit ma tristesse et mis des pansements sur mes plaies. J'aimerais juste lui dire que... En fait, j'aimerais juste lui dire à quel point je l'aime. Et j'ai juste envie de l'appeler bébé.